Wesh les gars, c'est Monsieur Ciao, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les frérots. Vidéo encore une fois, squad builder les gars, parce que là j'ai trouvé une équipe les gars, une hybride magique, magique les gars. Avant de commencer comme d'habitude, n'oubliez pas ton plus beau pouce bleu les gars, avec 35 likes. Comme d'habitude, je sais que vous pouvez très bien les faire, vous pouvez mettre 50 likes, mais je demande 35 likes les gars. Ça ferait vraiment super plaisir les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et de rester actif sur toutes mes vidéos, de partager, ça fait vraiment super plaisir. Ma chaîne est bientôt 800 abonnés, on est à 751 les gars. Donc ça ferait super plaisir si ça augmente un petit peu, tu vois. Donc bref les gars, on va pas s'arrêter sur ça, on va commencer directement sur la vidéo les frérots. Donc les gardiens les gars, on commence simplement avec Hugo Lloris, les gars, d'un français que je pense que tout le monde connaît les gars. Il doit pas coûter très cher les gars, mais voilà, de toute façon c'est vraiment un très très gros joueur comme vous connaissez tous. Après en défense centrale, il y a encore un français de première ligue, donc Laurent Koscielny les gars, voilà, il est super fort les gars dans le jeu. Je l'ai déjà testé, vraiment il est très très bon les mecs, voilà, il coûte un peu cher, mais il est vraiment super bon. Donc voilà, Laurent Koscielny c'est la base. Après les gars, on enchaîne avec un brésilien les gars de Chelsea, donc c'est David Luiz le frérot. Voilà, David Luiz qui a 79 de physique, 82 de défense, 73 de vitesse, ce qui est très très bon. 1m89, voilà, David Luiz, très très fort les gars. Par contre les gars, c'est David Luiz, on le met en défenseur central gauche, il l'a renseigné en défenseur central droit les gars. En défenseur gauche les gars, Marcos Alonso, donc lui franchement sa carte boost elle est juste ouf. Donc tous les gars, sa carte on la prend à 83, si vous avez un peu plus de crédit prenez-la un peu plus, il avait des cartes encore plus hautes les gars, mais sa carte boost à 83, voilà. Pour un défenseur gauche, 80 de vitesse, 76 de tir, voilà, 85 de physique, il avait 1m38, il a une carte de dingue, j'ai jamais testé, mais il a une carte vraiment de ouf. Défenseur droit les gars, donc c'est Mathieu Debuchy, donc lui c'est pas le meilleur de mon équipe, mais bon pour le collectif, t'es obligé de le prendre, mais vraiment, voilà, il a quand même pas une carte dégueulasse. Un défenseur droit qui a 74 de vitesse, 77 de physique, c'est vraiment nickel. Comme c'est les gars, Yaya Touré, donc pour l'instant on a que des joueurs de première ligue les gars, mais après ça va changer les gars, donc Yaya Touré, voilà, je l'ai pris parce que voilà, il a une carte de ouf, c'est sa carte régulière les gars qu'on prend. Voilà, après si c'est un peu plus de crédit comme d'habitude, vous pouvez prendre plus, mais voilà, 84 de physique, 83 de tir, 74 de vitesse, c'est ouf, en plus il sait tirer le coup franc et tout. Franchement je le conseille vraiment lui, pour le coup c'est vraiment un joueur, bah voilà, si tu veux un joueur défensif c'est vraiment nickel d'avoir un joueur comme ça, donc je te le conseille vraiment clairement. Après les gars en MOC, il y en a Paul Pogba les gars, oui je pense que c'est le meilleur de mon équipe les gars. MC à côté de Pogba les gars, tout simplement, voilà, donc là j'étais obligé de mettre ma petite touche personnelle, voilà, Morgan Sanson, un petit Marseillais les gars, tout simplement les gars. Ça c'est la carte TOTS de Morgan Sanson, vraiment, voilà, 82 de vitesse, 85 de tir, 88 de passe, 90 de dribble, 86 de défense, 87 de physique, voilà, vraiment, il est plus que dans le Gully Gang, il a vraiment une carte de dingue. En ailier gauche, les gars, Martial, Anthony Martial, voilà, donc Anthony Martial, ça fait vraiment super plaisir de le mettre dans cette équipe, voilà, tout le monde connaît comme le joueur très très cheaté, les gars. Enfin, Anthony Martial, c'est vraiment un joueur très très cheaté, donc c'est pour ça qu'il passe dans cette équipe. Avec son 91 de vitesse, voilà, ça en dit tout, et 90 de technique, donc voilà. En ailier droit, les gars, un autre Marseille, donc même si vous n'êtes pas Marseille, les gars, je pense que beaucoup de gens ont testé sa carte boost, parce que voilà, il a quand même une carte à 88, les gars, voilà, il a une carte de ouf pour un ailier droit, quand t'as 83 de physique, 87 de vitesse, 91 de tir, voilà, t'es obligé de l'avoir. Et franchement, les gars, lui, pour le coup, j'ai testé, voilà, j'ai même fait une vidéo sur lui, et vraiment, il a une carte de dingue, donc vraiment, je vous le conseille, les gars. Et voilà, en plus, comme ça, il y a deux Marseillais dans l'équipe, et ça fait le collectif avec Sanson. Et après, le buteur, les gars, je vous laisse deviner qui c'est, et j'écris, et là, je pense que vous avez déjà deviné que c'est Antoine Griezmann, les gars. Et voilà, Antoine Griezmann, c'est Antoine Griezmann quoi. Il a une carte de ouf aussi. Voilà, j'aurais kiffé tester aussi. Malheureusement, j'ai pas assez joué au sphère pour avoir des très très belles cartes. Mais en tout cas, ça fait très 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 plaisir, les gars. Et maintenant, je vous propose de voir cette équipe un peu directement. La chicha entouré de tes beubeux, capote sans chichi, gros huc en le. Tu veux mon bien, y'a pas de sous ça et je veux pas mon bien. Trop souvent sous sky, j'ai fait du mal à petit cœur fragile. Voilà, les gars, c'est vraiment une très très grosse équipe, donc voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de joueurs de première ligue, je vous l'accorde les gars, mais voilà, après j'ai essayé de mettre, de passer les joueurs français qui jouent en Ligue 1, voilà, après un joueur de BBVA les gars, donc voilà, le collectif il marche parfaitement les gars, j'ai 100 de collectif normalement, là je peux pas y mettre 98, ah ça veut dire à cause des postes, parce qu'ils sont pas au bon poste, mais si vous les mettez avant leur beau poste, les gars, ça mettrait 100 de collectif,
En tout cas, moi, c'était un pur plaisir de proposer ce squad builder. Vraiment, c'est un très, très gros squad builder, les gars. Donc, en tout cas, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros like, les gars. Ça me ferait vraiment super plaisir. C'était Monsieur Ciao. Ciao.